le résumé de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son sourire. Il se contentait de sourire. Parfois, il riait au point de laisser apparaître ses molaires. Ses pleurs. Il ne pleurait pas en sanglotant ou en élevant la voix. Les larmes coulaient sur ses joues et il contenait son sanglot dans sa poitrine. Parfois, il pleurait par miséricorde pour le défunt, parfois par crainte et compassion pour sa communauté. D'autres fois, il pleurait par crainte d'Allah et lorsqu'il entendait le Coran. Son sermon. Il délivra des sermons à même le sol, sur la chair et à dos de chameau. Jabir radiallahu anhu disait, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a nous exhorté, lorsqu'il nous exhortait, ses yeux rougissaient, sa voix s'élevait et sa colère s'intensifiait, comme s'il nous mettait en garde contre l'attaque imminente de l'ennemi. Tous ses sermons commençaient par la louange d'Allah. Il délivrait des sermons au moment opportun, lorsque les gens en avaient besoin.